Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un type qui a eu une ascension tellement fulgurante qu'il a fini par exploser en vol. Voici l'histoire de John DeLorean. Mais avant ça, je vais faire une petite parenthèse sur la Formule 1. Cette nouvelle saison avec les nouvelles voitures s'annonce complètement dingue, les bagarres vont être incroyables. Et si comme moi tu cherches un moyen pas cher de regarder tous les Grands Prix en français, il te suffit d'aller sur le site de la RTBF. Mais ça marchera pas. Et tu sais pourquoi ça marchera pas? Parce que t'es pas belge! Et moi, j'ai un moyen pour te rendre belge sur internet. Ce moyen, il s'appelle NordVPN. Il te suffit d'aller sur leur site, de te localiser en Belgique, de retourner encore sur le site de la RTBF. Tada! Et si vous cliquez sur le lien dans la description, vous avez droit à une réduction exclusive aux abonnés du GDB. Et en plus, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Et l'assistance est en français. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, cliquez! C'est bon, Marty, on est arrivé en 2022, dans le T5M, juste après leur pub de merde. Ah, super, bravo, Doc. Mais vous avez fait quoi, vos cheveux? Je les ai lissés. Et toi, t'as fait quoi à tes cheveux? Moi, je les ai perdus. John DeLorean est né en 1925 à Détroit, de parents fraîchement arrivés de Roumanie, à la quête d'une vie meilleure. En quête d'une vie meilleure, connard. Et malgré un travail acharné et de multiples tentatives pour devenir quelqu'un, son père restera perçu comme un petit ouvrier de chez Ford qui parlait mal anglais. Et le petit John, quand il était enfant, voir son père et sa mère se tuer à la tâche pour essayer de devenir des gens importants et ne pas y arriver, bah ça l'a marqué. Un jour, un camarade de classe super riche l'invite à venir jouer chez lui. Et là, John y découvre le luxe, l'opulence, le confort, et il a une vision. Il se dit que désormais ça, ça va être sa vie. A partir de là, le seul et unique objectif de John DeLorean est de devenir super célèbre et super riche. Oh, comme Elon Musk, quoi? Elon qui? Elon Musk, comme vous, Doc, en plus riche. Et en plus beau aussi. Et dans les années 50 et 60, si tu vivais à Détroit et que tu voulais faire une grande carrière, forcément, tu bossais dans l'automobile. Premier stage chez Chrysler, il fait ensuite un passage chez Packard Motors en tant que responsable qualité. Puis ingénieur chez AMC, qui a fait l'une des voitures les plus cool du monde, la Pacer. Et enfin, il arrive chez celui qui sera son dernier employeur, General Motors. Et pour bien remettre les choses dans leur contexte, à cette époque-là, General Motors était le premier groupe automobile mondial, mais pas seulement, c'était la plus grosse entreprise du monde. Son premier job chez General Motors, c'est chez Pontiac, où il va être non seulement un excellent designer, mais où il va aussi développer un don pour le marketing. On est au début des années 60, les mecs qui bossent chez les constructeurs, ils sont tous habillés en noir, ennuyeux, il ressemble à rien. John, lui, veut se mettre dans la peau de ses futurs clients, la jeunesse de l'époque. Il se met à écouter la même musique qu'eux, à s'habiller comme eux, et là, il a une idée de génie. Il se dit que ces jeunes, ils ont besoin d'une voiture à leur image. Puissante, fougueuse, rapide, mais pas chère. Et son idée de génie, c'est de prendre la voiture la moins chère du catalogue et de mettre sous son capot le moteur le plus puissant du catalogue. C'est un peu comme si le groupe Renault décidait de mettre un moteur de GTR sous le capot d'une Dacia Sandero. Some sporting cars are only pussycats. GTO is all tiger. Et c'est ainsi que naîtront la Pontiac GTO et la Pontiac Firebird, que John n'arrêtera pas de présenter comme étant les meilleures voitures du monde, plus rapides, plus performantes, plus économiques, plus tout que tout le reste de la concurrence. Est-ce que c'était vrai? Non. Est-ce que ça a marché? Bien sûr! La Firebird et la GTO vont exploser des records de bénéfices chez Pontiac, du jamais vu auparavant. Et les articles de presse pleuvent, ils sont tous ultra positifs. Davantage parce que John s'achète les faveurs des journalistes que pour les qualités réelles des bagnoles. Cette façon de concevoir des voitures moyennes, mais de les présenter comme étant des révolutions, et le côté pas très éthique de John DeLorean, ça va le propulser à la tête de Pontiac dès 1965. En 1969, il devient patron de Chevrolet. Et en 1972, il devient vice-président du groupe General Motors. Pour rappel, la première entreprise au monde. Quel monde de merde, il faut mentir et vendre de la merde pour réussir. Ah, enculé. Et parallèlement à cette réussite professionnelle fulgurante, John DeLorean menait une vie perso complètement YOLO. C'était un putain de jet-setter qui passait sa vie à faire la fête, tout le temps avec des bimbos autour de lui, et qui faisait la une de tous les magazines glamour et people de l'époque. Le mec, je vous ai dit, il voulait devenir une rockstar. Il l'a fait. Les gens, ils achetaient plus des voitures parce qu'elles étaient bien. Ils les achetaient parce que ça leur donnait l'impression de devenir eux aussi un petit peu John DeLorean. Ce mec beau, grand, baraqué, musclé, bronzé. Putain, c'est kitsch. J'ai une libido assez forte. Nom de Zeus. Et je crois que c'est important chez un homme. Comment on fait pour retourner en 1985, là? John transforme en or tout ce qu'il touche, il se sent plus pété. Et en plus de ça, il fait une énorme crise de la quarantaine. Chirurgie esthétique, musculation. Le type veut pas vieillir. Oui, c'est la saucisse. Et cette réussite, ça lui suffit pas. Non, John, il a décidé qu'il allait marquer l'histoire. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il claque sa démission, il lâche son boulot payé $1 million par an, et il se dit qu'il va créer la meilleure voiture du monde. On est en pleine crise pétrolière, et John, il fait exactement pareil qu'avec les hippies à l'époque pour créer la GTO, et
il se demande ce que recherchent les gens. Enfin, pas les gens. Les gens qui ont assez d'argent pour se payer une voiture. Et à ce moment-là, le carburant est super cher. Du coup, il se dit qu'il va faire une voiture qui consomme peu. Et les gens, ils se plaignent aussi que leur voiture rouillait beaucoup. Il se dit alors qu'il va faire une voiture qui ne rouillera jamais. Le tout avec un design intemporel et un prix raisonnable. On est au milieu fin des années 70. John réunit une petite équipe d'ingénieurs, de designers et ensemble, ils conçoivent un concept car. Ce concept car, il l'emmène au salon des concessionnaires à la Nouvelle-Orléans. Leur objectif, en vendre un max. Quand il arrive à la Nouvelle-Orléans, John, il est accueilli comme une rockstar. Les gens se jettent sur lui, tout le monde veut lui parler, le toucher, discuter avec lui. C'est à peine si les gros concessionnaires, là, ils enlèvent pas leur slip pour lui jeter et lui dire « s'il te plaît, embrasse-moi !» Tu fais bien, le gros concessionnaire. Et ben John, avec sa bite, son couteau et son concept car, il arrive à convaincre 350 concessionnaires de lui précommander 30 000 bagnoles. Le tout sans avoir aucune idée de quand il pourrait les livrer. Sans même avoir une usine pour les construire. Mais... il était convaincant, et beau, et musclé. Bon, et maintenant qu'il avait un concept car, les plans pour faire la bagnole, une équipe d'ingénieurs prête à faire feu, 350 concessionnaires qui lui avaient promis d'acheter des voitures, il lui manquait un truc, trois fois rien. 200 millions de dollars pour construire une usine. 200 millions de dollars ! 200 millions de dollars ! 200 oui, millions ! Oui, on a compris ! Prenez vos médocs, Doc ! Et pour aller chercher cet argent, John DeLorean a revêtu son plus beau costume de VRP, il a fait le tour du monde des investisseurs. Et quand je vous dis le tour du monde, c'est vraiment le tour du monde ! Il est allé en Espagne, où General Motors fermait une usine qui marchait pas très bien, pour faire une offre. Puis il est allé en Italie, il a été question de racheter Maserati pour y construire la DeLorean ! Il est même allé à Puerto Rico, où il avait entendu parler d'un programme de construction d'usine, mais il parlait pas espagnol. Mais aucune de ces pistes n'a abouti, parce que John, il refusait systématiquement lorsque les investisseurs lui demandaient de prendre des parts dans la boîte. Il voulait être le seul patron à bord. Tu m'étonnes, John. Puis un beau jour, alors que John est dans son bureau, il y a son téléphone qui sonne. Au bout du fil, le gouvernement d'Irlande, qui avait entendu parler de sa recherche de partenaires. Ils étaient prêts à le financer, à construire son usine. Ils avaient juste besoin de vérifier que ses commandes, elles étaient bien fermes. Et à votre avis, John, il leur a répondu quoi ? Mais bien sûr que ce sont des commandes fermes. Elles sont même déjà prépayées. Après avoir accroché, les Irlandais, ils ont quand même passé quelques coups de fil à quelques concessionnaires, ceux qui avaient fait des promesses d'achat, vous savez. Ils ont dit, bah non, on n'a rien signé, pas de chèque, rien du tout. John était démasqué et l'Irlande ne l'a pas financé. C'était loupé pour cette fois, mais je vous ai dit que John était malin ou pas ? Il savait pertinemment que l'Irlande et le Royaume-Uni se tiraient une bourre incroyable pour être le premier à créer des emplois. Notamment en Irlande du Nord, qui n'est pas indépendante comme l'Irlande, mais qui fait partie du Royaume-Uni justement. Du coup, cette fois-ci, c'est John qui prend son téléphone et il appelle le gouvernement britannique pour leur dire « Hey, salut les gars, j'hésite entre construire une usine en Irlande du Nord, chez vous, au Royaume-Uni, ou en Irlande ?» qui était indépendante. Et là, les mecs, ils ont pas réfléchi une seule seconde. Ils ont dit, ton usine, elle va être chez nous. On va te la payer, on va te la financer. Viens, amène tes affaires, on t'attend. Bon, au passage, John, il a dû promettre qu'il allait créer 2500 emplois directs et durables. Trois fois rien, encore une fois. Les Britanniques, ils ont mis 100 millions de dollars sur la table en faisant quasiment aucune vérification. Et en quelques années, sort de terre l'une des usines automobiles les plus modernes du monde. Sauf qu'on est en 1978, et à cette époque-là, entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, ça pète, ça explose. La région est à feu et à sang. La guerre civile fait des ravages, et il va falloir arriver à bosser dans ces conditions. Et deuxième petit hic, l'Irlande du Nord n'a aucune expérience et aucun passé dans la construction automobile. John, il se retrouve à devoir former 2500 mecs à fabriquer des voitures, alors qu'ils étaient bouchers, plombiers, électriciens. Vous avez déjà travaillé sur des voitures ? Non. Et au milieu de tout ça, John DeLorean, accueilli et perçu comme le héros, le messie qui vient donner du travail à cette région ravagée par le chômage. Et en plus de ça, il sera même perçu comme étant quelqu'un qui rassemble les gens et les peuples, parce que dans son usine, il accueille à la fois les catholiques et les protestants, ceux qui se font la guerre là. L'étape après la construction de l'usine, c'était de tenir un engagement... pas vraiment tenable. De construire la voiture et de la mettre en concession aux États-Unis en 24 mois. Pour vous donner un peu de contexte, les plus gros constructeurs de l'époque, ceux qui arrivaient à faire super vite, ils mettaient 10 ans entre un concept car et son arrivée en concession. Ça pue du cul ! Ils s'en battaient les couilles ! Ils criaient sur tous les toits que sa voiture serait bien prête en 24 mois et que ce serait la meilleure voiture du monde ! Et vous savez quoi ? Les gens le croyaient ! Et pour y arriver, John s'est entouré des meilleurs, dont un certain Colin Chapman. Il était célèbre grâce à la marque de bagnole qu'il avait créée, Lotus. Mais aujourd'hui, on le connaît aussi pour sa punchline, Light is right ! En réalité, John DeLorean, il a pas vraiment embauché Colin Chapman pour son savoir-faire technologique, pour ses avancées techniques, pour le point auquel il allait faire une super voiture. Non, non, il l'a embauché pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il avait un nom. Aller voir les gens en leur disant « je bosse avec Colin Chapman », bah c'était bosser avec le mec qui gagnait tout en Formule 1. Et la deuxième raison pour laquelle il l'a choisi, c'est que Colin Chapman, il a dit d'accord lorsque John lui a dit « hé mec, ça te dit de me facturer deux fois plus cher quand je te demande une prestation ?» Et on se met de l'argent de côté, tous les deux, hein, dans un paradis fiscal. Comme ça, on devient riche ! Et petit à petit, ce petit jeu entre John DeLorean et Colin Chapman commençait à être grillé. Tous les anciens de la DeLorean Motor Company commencent à s'en aller, les uns après les autres, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas là pour concevoir la meilleure voiture du monde, mais simplement pour enrichir deux types complètement véreux. Non mais au moins, elle a de la gueule, votre bagnole.
Les semaines passent et les retards s'accumulent et explosent. La voiture ne marche pas. Tous les prototypes qui sont faits pour tester les châssis, les trains roulants n'arrêtent pas de casser. Ils font 100 mètres, il n'y a rien qui tient. Et ce temps de mise au point, il est incompressible pour n'importe quel constructeur. C'est d'ailleurs ça qui prend le plus de temps dans la construction d'une voiture. Bah, c'est de faire en sorte que, du dessin à la voiture roulante, ça fonctionne. Et à cause de tous ces retards, et d'un train de vie un petit peu fastueux, John avait dépensé les 100 millions de dollars au bout d'un an à peine. Il aurait bien demandé une petite rallonge aux Britanniques, sauf que, à ce moment-là, le gouvernement britannique, à sa tête, il y avait Margaret Thatcher. Et si vous la connaissez pas, c'était une nana qu'il fallait vraiment convaincre beaucoup, 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 avant qu'elle vous lâche un euro. Tu sais, Margaret, je n'ai pas qu'une grosse dette. J'ai aussi une grosse bite. La pression sur les épaules de John devient énorme. Mais il a de plus en plus de mal à faire bonne figure et à faire croire à tout le monde que tout va bien alors que le bateau est clairement en train de couler. Et là, patatras, coup de chance ou de malchance selon point de vue. Les violences ont éclaté à l'annonce de sa mort. Des manifestations monstres explosent à Belfast et abîment un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, l'usine de John. Genre, il y a eu quelques cabanes, des placards à balais qui ont été abîmés, il n'y avait rien qui avait de la valeur dedans. Mais John, il est malin. Ça sent le fric, là, non ? John DeLorean décide de faire une déclaration publique pour dire que les manifestations ont endommagé son usine à hauteur de 20 millions de dollars ! Et comme le gouvernement britannique, leur objectif, c'était de calmer le jeu, de faire en sorte que les manifestations s'arrêtent, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'allonger la thune. Au bout de 28 mois, le 21 janvier 1981, très exactement, la première DMC-12 sort des lignes de production. The DeLorean. Gullwing doors rise effortlessly, beckoning you inside. The sleek, stainless steel DeLorean. Beautifully crafted for long life. Et elle est sublime, coque en fibre de verre pour gagner du poids. Panneau de carrosserie en inox brossé brut, garanti contre la rouille pendant 25 ans. Et sous le capot, un énorme V6 Enfin non, un tout petit V6 PRV pour Peugeot, Renault, Volvo, de 130 chevaux. Le plumage sans le ramage. Oh my god! Un putain de veau en boîte mécanique, ça se traînait à mort. Et si vous la preniez en boîte auto... Il semblerait qu'ils soient encore en train de chronométrer le 0 à 100, depuis 81. Ouais, ouais. Ah, c'était peut-être pas une si bonne idée, le 88 miles à l'heure, hein. On s'en fout, Marty, c'est un film. Comment on règle sur 44 miles à l'heure? Ouais. Heureusement, à l'intérieur de la voiture, il y avait plein de gadgets et de technologies révolutionnaires. Enfin, il y en avait, mais rien ne marchait. Par exemple, il y avait un autoradio dernier cri, et l'antenne, c'était un truc super novateur. Elle était dans le pare-brise. Sauf qu'elle marchait pas. Donc tu cherchais les stations et ça tournait sans s'arrêter. Et quand tous les gadgets de la voiture fonctionnaient en même temps, par miracle, ça pompait trop d'énergie et la batterie était à plat en quelques minutes. Bon, faut dire ce qui est, la voiture était pas vraiment terminée. Live the dream today. Mais heureusement, elle était pas censée être vendue cher, 12 000 dollars, d'où le 12 de DMC-12 d'ailleurs. Sauf que, avec le train de vie de John, les retards, l'inflation, finalement, elle a pas été vendue 12 000, mais 25 000 dollars. Plus du double. Et ça, c'était que la première année. La deuxième année, 27 000 dollars. Et la troisième année, 34 000 putains de dollars. À l'époque, 34 000 dollars, c'était 7 000 dollars plus cher qu'une Corvette. Trois fois plus puissante, beaucoup mieux équipée, et qui marchait. La DMC-12 était une super belle voiture, mais il lui manquait au moins 2 ans de développement, et un moteur, et des équipements qui marchent. Il manquait plein de trucs, en fait. Mais encore une fois, bas les couilles, tous ces défauts-là, en dehors de John et de quelques personnes qui travaillent à l'usine, personne ne les avait vus. Et cette première voiture sortie des lignes de production, ça permet de redonner la confiance à tous les concessionnaires, à tous les investisseurs, et l'argent recommence à pleuvoir. Et le problème de John avec l'argent, c'est que ça lui brûle les doigts, et il commençait à vraiment, vraiment manquer de discrétion dans la partie qui détournait. Il couvre littéralement sa femme de cadeaux, de fourrures et de bijoux. Il achète même un château sur un domaine de plusieurs milliers d'hectares. Tout ça avec l'argent de la boîte, alors qu'il n'avait même pas encore vendu une seule bagnole. Tout va pour le mieux. Johnny part en dérapage complet, il projette de racheter Alfa Romeo, Jeep, il veut fusionner avec Ford. Il se met même dans la tête qu'il va créer une banque. Mec, c'est de l'argent que tu détournes, c'est pas à toi. Il avait toujours fonctionné comme ça, il avait jamais eu de problème, du coup, il se sentait intouchable. Putain, Marty, tu crois que je pourrais me faire rembourser? La garantie est terminée, mais on peut peut-être retourner en 1980. Mais c'est complètement con, on pourra jamais revenir. Ah, c'est pas faux. Jusqu'au jour où une employée de son usine, une honnête citoyenne britannique, en a marre de voir ce John DeLorean flamber, dépenser l'argent de ses propres impôts. Elle monte un dossier contre lui, elle réunit quelques preuves, et elle les envoie à la presse. Le Premier ministre a demandé à Scotland Yard d'enquêter sur la société DeLorean. Surprise, c'est le contrôle fiscal. Et John, fidèle à lui-même, il s'est pas démonté. Lorsqu'il a rencontré les contrôleurs fiscaux, il leur a dit « Bonjour messieurs, mes comptes sont à votre disposition, je vous laisse avec mon assistante, vous voulez un café ?» Puis se barre discrètement, et quitte le pays, et il reviendra plus jamais.
Je schématise et je résume un peu, mais en vrai, il fournira aucun document. Et quelques mois plus tard, il quittera l'Irlande et n'y remettra plus jamais les pieds. Et entre-temps, il y a son pote Colin Chapman qui allait aussi avoir d'énormes problèmes, qui meurt et qui emmène avec lui dans sa tombe tous les secrets de leur détournement. Colin Chapman qui a un tout petit problème. Bon, il meurt. Le gouvernement britannique stoppe net les investissements. L'usine continue de tourner encore un petit peu jusqu'à s'arrêter complètement fin 82. John DeLorean, il a fui la justice britannique pour pas passer devant le juge pour ses détournements de fonds. Il est revenu aux États-Unis mais avec une idée en tête. Trouver plein d'argent, revenir, rembourser ses dettes et relancer l'usine. Et là, sur l'échelle du YOLO, il va se passer un truc complètement incroyable. Alors qu'il s'est exilé aux États-Unis, John a un voisin chez qui il prend de temps en temps l'apéro. Ils sont potes, tu vois, il se confie un peu à lui, il lui raconte ses problèmes d'argent, ses recherches d'investisseurs. C'était pas une bonne idée, John. Et ben ce pote, il va proposer à John un deal que aucun d'entre vous n'accepterait. Et John, il en avait rien à foutre, il voulait de l'argent. Mon pote John, si tu me donnes 1,8 million de dollars, on va acheter 25 kilos de cocaïne et on va le revendre 20 millions de dollars. Et ben John, il a accepté sans hésiter. Il a réuni ce qui lui restait comme thune, il a vendu ses dernières actions, il met 1,8 million sur la table. Et le voilà avec son voisin, dans une suite du Sheraton, en train de siroter un petit verre de whisky et de se féliciter que « Wouah, c'était quand même facile de trouver 20 millions de dollars !» Sauf qu'au moment où ça tape à la porte de la chambre d'hôtel, c'est pas des trafiquants qui viennent, non, c'est le FBI. Surprise! Vous l'aurez compris, son voisin, c'était pas vraiment un pote. C'était un indique du FBI, qui depuis plusieurs mois était en train de construire cette mise en scène pour pouvoir piéger John DeLorean. 90 kilos de cocaïne, une opération d'infiltration complexe, une voiture vouée à disparaître. On est en 1982, John DeLorean est arrêté et jugé pour trafic de drogue. Pour les 25 kilos de cocaïne, mais le FBI, ils lui ont aussi collé sur le dos qu'il était sur le point d'importer plusieurs kilos d'héroïne depuis la Thaïlande. Les mecs lui ont mis la tête sous l'eau et ils ont appuyé très fort. Et conséquence immédiate de son arrestation, l'usine de Dunbury a fermé définitivement après avoir construit à peine 8742 voitures. Rentrez chez vous, y'a rien à voir. Allez-vous-en, ne restez pas là. Le procès de John va durer 2 ans, pendant lesquels il est la plupart du temps en prison. Mais à la fin, le juge l'a innocenté. Le juge a considéré que c'était le FBI qui avait piégé John. Il n'était pas trafiquant de drogue, juste un petit peu influençable. Mais sur le chef d'accusation du trafic de drogue international, il était innocent. Il est donc relâché. Sauf qu'il est criblé de dettes. Sa femme l'a quitté, avec les enfants, son usine a fermé, et toute sa libido, elle s'était envolée en prison. La justice vend les derniers biens qui étaient encore à son nom et il mettra encore 20 ans à rembourser toutes les dettes qu'il avait. Et je parle pas de l'État britannique, ça il y a jamais remis les pieds et il a jamais remboursé cette dette-là. Ça, c'était l'histoire de John. On a oublié de parler de la bagnole. En 1985, alors que tout était terminé pour la DeLorean Motor Company, la DMC-12 refait surface. Et alors que la DMC-12 n'était associée qu'à l'échec, à la défaite et au mensonge de John DeLorean, un type qui s'appelle Robert Zemeckis décide qu'il va sortir un film qui s'appelle Le Retour vers le futur. C'est même une trilogie qui met en scène des voyages dans le temps qui sont faits grâce à une machine qui est une DeLorean DMC-12. Ça peut paraître un peu débile dit comme ça, mais en fait, à partir de là, la DMC-12 va devenir la voiture la plus mythique de l'histoire du cinéma. Ou presque. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps ? À partir d'une DeLorean ? Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui ait de la gueule. Par ailleurs, la carrosserie étant en acier inoxydable, la dispersion des flux... Attention ! Et Bob, il a choisi cette voiture parce qu'il l'a trouvée à la fois futuriste et un peu dépassée, un peu kitsch, comme le Doc ! Je rêve ou il m'insulte, là ? En même temps, il a pas tort, hein. Reboosté par le succès interplanétaire de la trilogie Retour vers le futur, John DeLorean refait surface en l'an 2000. Et il tente, ce bon vieux John, de ressortir le même bullshit que d'habitude. Il s'adresse à un public composé de journalistes, de concessionnaires, de passionnés d'automobiles, et vous savez ce qu'il leur dit ? Qu'il est sur le point de sortir 2 nouveaux modèles révolutionnaires ! Et parmi ces 2 modèles, un 4x4 qui s'appellera le DMC-44, qui sera robuste, fiable, économique, performant, comme d'habitude, et une DMC-12 biturbo, la même, mais avec un vrai moteur cette fois-ci. Il lui manquait encore un truc, 3 fois rien. Plein d'argent. Sauf que personne ne le croit. Et comme tous les gens de la télé-réalité, il va finir à faire du dropshipping pour vendre des montres de merde sur Internet. John DeLorean est mort à 80 ans, complètement ruiné, et sur sa pierre tombale, une DMC-12 portière déployée, comme pour lui rendre un dernier hommage. Et la société DMC, du moins à ce qu'il en restait, a été rachetée par des Américains, qui ont pour projet de rééditer la DMC-12, revue et corrigée à la sauce 2022, ou 2023, ou 2024. En tout cas, ces types, ils disent qu'ils vont prendre la DMC, garder le même design, sauf que le moteur, il fera plutôt entre 300 et 350 chevaux, et à l'intérieur, les technologies, elles seront complètement d'actualité. Le tout pour un prix de moins de 60 000 $. Franchement, j'attends de voir, je serais super content que ça existe, mais avec la poisse qui colle à ce modèle, bon courage les gars. Et si vous manquez des financements au moment de votre levée de fonds,
Ne faites pas de trafic de drogue, s'il vous plaît. Comme tous les gens qui sont nés dans les années 80, la DMC-12 a bercé mon enfance. Retour vers le futur, c'était incroyable. Et j'ai le sourire à chaque fois que je croise une DeLorean. Même si c'est rare, hein, 8700 exemplaires dans le monde, c'est pas grand-chose. J'espère que ce T5M vous a plu et que je vous en aurai appris un petit peu sur l'histoire de cette bagnole ou de son créateur. Et attention, transition, si vous êtes des fans de Retour vers le futur, vous devez adorer le rétro gaming. Si comme nous vous êtes fans des années 80 et 90, forcément vous avez beaucoup joué aux jeux vidéo. Et en parlant de jeux vidéo, on a un nouveau format qui s'appelle V8-Bits. Brice vous y raconte l'histoire des jeux de bagnole, de moto ou de camions qui ont marqué notre enfance, qui nous ont rendu fous. Allez regarder, franchement c'est cool. Lâchez vos pouces bleus, abonnez-vous parce que vous êtes encore beaucoup trop nombreux à regarder ces vidéos sans vous abonner, laissez des commentaires, partagez, parlez-en à vos potes. Il y a que comme ça qu'on continuera d'arriver à faire des vidéos et des projets complètement malades. C'est bon Doc, c'est fini, on peut prendre la route. La route Marty, mais là où on va? On n'a pas besoin de route. Ça ressemble pas vraiment à 1985, ça, Doc. Ce moyen, il s'appelle NordVPN. Eh merde.